Chérie, écoute, j'ai vraiment envie que tu sois active. Alors, je voudrais savoir ce que tu aimerais bien faire. Déjà, je suis très passionnée par la coiffure. Il y a aussi la couture qui me tente. En fait, j'aime bien la couture aussi. Bon, tout ce qui est mode, design, oui, ça me plaît bien. Super. Donc, tu es très styliste, modéliste, beauté, tu vois. Ouais, ça. Mais moi, je te conseillerais plus la coiffure. Tu sais, les femmes se coiffent beaucoup. Elles aiment Tout se à rendre fait, belles, tu tout vois. à fait, tout à fait. Alors, je vais donc te payer une formation. Là, merci chérie, merci déjà d'avance, mon amour. Que ferais-je sans toi, bébé? De rien. Par contre, si tu connais des instituts, tu me dis. Sinon, moi, j'en connais plusieurs, hein, c'est performant. Bon, déjà, pour un départ, je vais essayer de chercher moi-même partout. Oui, c'est bien. Là où je vais me sentir plus à l'aise pendant ma formation et là où ça sera avantageux pour moi. D'accord. OK. Dans le moment venu, on décidera ensemble. D'accord. OK. Bon, tu sais, quand on a des projets, on ambitionne, etc. Donc, j'aimerais bien qu'à la fin de ta formation, tu ouvres ton institut de beauté. T'es sérieux, bébé? Oh là là, mon amour, que ferais-je sans toi, bébé? Aïe. Bon, j'imagine quand même que tu as pensé à une appellation. Comment est-ce que tu aimerais appeler ton institut? Ouais, déjà un nom simple et fashion. Au fait, simple, je ne veux pas les fashion là sur ça, non. Bon, je vois souvent un truc là. Au fait, tu sais, comme je suis nulle en anglais là, je vois souvent, on écrit souvent so fabulous, un truc comme ça. Bon, moi, je préférais que le moment venu qu'on a, on passe juste à l'abréviation et So fabulous. voilà. Ok, génial. So fabulous. Voilà, exactly. So you are fabulous, Yes, baby. Moi, je suis actif. Il faudrait que pendant que je sois actif, que tu travailles aussi, Tout à fait, que tu avec sois moi. aussi occupé à faire quelque chose. Oh, bébé. Maman Choco, mon agent. On dit quand même bonjour. Bonjour de quoi? Mon agent. De quel agent parles-tu? Mes 2500. J'ai déjà remis ça à ta patronne. 2500, je ne suis pas malhonnête comme ça. Le monde ici, c'est la magie du monde. Il y a beaucoup à l'heure pour nous. Je suis dehors, avec ma musique. Voilà que je prends l'eau d'une main avant mon frère. Pas de se voir alors. Fini le chauffeur là, mon frère, le plus bas. Il me dit partout. Elle est compliquée de rester seulement par le patin à chaque fois. La magie, mon frère, elle est même plus les choses. Ok, elle n'a pas donné. C'est tu prêt pour me marier, bro. Ouais, tu me donnes ça, John, non, papa. John, non, non, oui. John, quoi, man. Mais tu sais que les filles de nos jours, là, mon frère, c'est pas facile. Hein. Non, non. Non. Elle va venir habiter chez moi. Avant. Mais quand tu parles, je peux te passer à voir. Tu sais, vous voulez comment nous y aller? Je vais me faire un jour au voisin qui veut qu'il m'attende à la main. Parce
C'est comme la mathématique qui veut que mon vieux il y a un pied d'or. Quelqu'un m'a bien pour ma serviette attachée sur elle avec ses habits. Je veux parler, il n'a pas dit d'or. Il a regardé ton corps du mal. La magie, c'est mon frère. Et un gars qui m'a dit que la piole n'est même pas comment elle veut gérer mon frère. Mais comme les. Nous, je disais que l'on cherche les chats ratés, man. Dis-moi, c'est pas la face, non? Mais tu manques aussi les buts. Ah, si tu veux le nom, je vais te donner le nom, moi. Mais est-ce que moi je refuse, papa? Je pense que c'est vraiment mon frère. Je suis pas encore prêt. Sunita! Merde! Il t'a occupé au point où tu as même laissé ton téléphone. Lui, c'est qui? Maman, c'est Eric, mon petit ami. Ton petit? Petit ami. Tami? Et ton gros ami est où? Hein? Tu t'appelles comment? Eric, maman. Eric? Et maman? Toi, c'est qui? Moi, c'est Eric. Tu fais quoi dans la vie? Oh, maman, je suis étudiant. Tu es tu? Étudiant. Merde alors. Vraiment. Quand on a pitié de toi, il faut avoir pitié de toi-même. Mais maman, j'ai un avenir et je vais trouver un travail. Ah bon? Donc tu dois finir d'étudier et directement le travail t'attend. C'est ça? Maman, je crois qu'un jour j'aurai un très bon travail. Un jour? Exprime un peu ton avenir, là, il comprend. Ferme ta bouche. Ne m'énerve pas, tu as compris, non? Passe la main, c'est 7. Lève-toi rapidement, idiote. Achète-le là. Et toi, allez, hop. Regardez-moi. Toi-même, tu as faim. Tu viens encore là, il y a la famine. Pourquoi ça donne quoi? C'est la dernière fois, tu as compris, non? Maman. Oh oui, maman. Là-bas, les assiettes, là. Connard. Ici, là, on vient manger, on paye. Et on part. On ne vient pas draguer les femmes ici. Connard. Je suis étudiant. Tu veux étudier jusqu'à quand? Donc, je suis assise comme ça, je souffre. C'est un étudiant qui vient chercher mon enfant. Dieu, toi aussi. Hey, étudiant. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite. Directement.